Voilà, non mais c'est bon, regarde, on a compris la chorégraphie, on est au top. Donc merci de Sarah à 10, vous placez devant, chez les filles, le record est de 2h06. Belle découverte, c'est la première fois que je courais là. Puis j'avais à cœur de me rattraper d'hier. Puis j'ai tout de suite senti que dès le bas, j'avais les bonnes jambes. J'ai pris la course en main au kilomètre 10 à la moitié. Je me suis vraiment fait plaisir jusqu'au dernier kilo où je coince un peu, mais je suis content, ouais, ça revient bien. Et la dernière montée, ouais, dure. Ouais, dure la dernière, un peu avec l'altitude, un peu hier, et puis c'est raide. Bon, c'est génial, là, on a un super temps, c'était vraiment magnifique pour courir. C'était le top, ouais, aujourd'hui. Bonjour Jean-Christophe. Le premier verre. Le premier verre, bien entendu. Simplement dire à Michel Laurent et à Ginou, son épouse, qui aussi faisait beaucoup de courses et qui sont à l'initiative de cette montée du Nid d'Aigle,
eh bien, quand on fait des choses qui marchent et qui réunissent, et elles sont pérennes, et 30 ans après, eh bien, cette belle course est toujours là, toujours présente, avec toujours autant de participants, toujours autant de bénévoles. Et donc, merci à vous tous.